Parce que c'est vrai que si c'est mal utilisé, bah, il peut y avoir, comme dans tout en fait, des abus, il peut y avoir, tu vois, des voilà. Sortir cette énergie, on va dire, de cette partie génitale, de cette zone pubienne, et de la transmuter, de l'élever énergétiquement en énergie spirituelle, pour pouvoir l'utiliser différemment. Des hommes comme nous, on a la capacité donc de durer indéfiniment au lit, tout ça, du coup, évidemment, de satisfaire nos partenaires à un point qu'il est impossible d'imaginer, elle se rappellera de toi toute ta vie parce que personne aura couché avec elle comme toi tu l'as fait, tu vois. Ben voilà. Et en fait, on a eu l'idée de créer un programme énorme. Les amis, donc avant de commencer cette vidéo en compagnie du charmant Gaspard Dufour que vous allez découvrir dans quelques instants, je voudrais vous informer sur le fait que ça y est, donc nous y sommes, comme annoncé dans la vidéo de dimanche dernier, eh bien, le sommet de l'énergie sexuelle, ça commence aujourd'hui avec cette première vidéo sur la chaîne et vous allez avoir à partir d'aujourd'hui donc une vidéo par jour sur la chaîne, tiens-toi bien, pendant 7 jours. Donc demain, il y aura une nouvelle et seconde vidéo avec Gaspard, après-demain, il y aura une vidéo avec une femme qui a vraiment une énergie sexuelle qui est incroyable, et là on va parler vraiment de l'énergie sexuelle en long, en large et en travers, donc surtout pour les femmes. Et ensuite on continue comme ça les jours suivants jusque, bah voilà, 7 vidéos totales sur la chaîne. Vous avez d'avance tous les liens dans la description, et tout ce que je peux vous dire c'est que si vous aimez la sexualité, le sexe, l'énergie sexuelle, le qigong sexuel, le tantra, le tao, ou toute chose, toute approche en fait théorique ou pratique, et pratique je devrais dire, pour accéder eh bien à la possibilité pour les hommes d'être des hommes multi-orgasmiques, donc dissocier bien l'éjaculation de l'orgasme, ou encore satisfaire votre ou vos partenaires à un point que vous pouvez même pas imaginer et qu'aucune femme ne peut imaginer. Voilà, plein de choses comme ça. Tout se passe sur cette chaîne YouTube. Pensez à vous abonner et à mettre un petit pouce vers le haut, à préparer vos questions. Il y aura évidemment aussi 2 lives qui vous seront proposés. Vous avez tous les liens dans la description pour avoir toutes les informations à ce sujet. Vous aurez un premier live donc sur mon profil Facebook dans 3 jours environ. Et vous aurez ensuite à la fin, donc le dernier jour de clôture de cette semaine donc sur le sommet d'énergie sexuelle, un deuxième et dernier live en compagnie de Thibaut Martin, le coach sexuel de la formation, le programme Méthode Alpha. Voilà, vous allez découvrir tout ça dans cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, surtout en présence de ce type, eh bien, c'est qu'il y a quelque chose d'énorme qui est en train de se passer en ce moment sur Internet, dans l'univers, sur la planète Terre plus précisément. Donc dans cette vidéo, on va tout vous expliquer. On va parler d'énergie sexuelle, mais on va surtout parler dans cette première vidéo. Vous allez voir qu'en fait, c'est pas une vidéo en 2 parties, mais disons qu'il y aura une autre vidéo à suivre qui va sortir quelques jours plus tard, d'accord? Où là, on parlera purement d'énergie sexuelle avec Gaspard, qui est devenu un peu le Napoléon Hill de l'énergie sexuelle. Vous allez voir qu'on va en parler. Là, dans cette vidéo, on va parler d'énergie sexuelle, mais on va aussi parler de son parcours. Il faut savoir qu'il y a 6 mois, il savait à peine faire un clic droit sur un ordinateur. Bon, j'exagère comme souvent. Mais voilà, et là, il en est au point où il sort une énorme plateforme pour aider les hommes, mais aussi les femmes, eh bien, à maîtriser leur énergie sexuelle. Donc pour les hommes, on peut parler de dissocier l'éjaculation de l'orgasme, l'orgasme de l'éjaculation, donc devenir ce qu'on appelle un mâle multi-orgasmique. On va parler de durer des heures, c'est-à-dire de manière indéfinie et illimitée, puisqu'on contrôle littéralement notre énergie sexuelle, notre éjaculation, etc. Et bien évidemment, transmuter l'énergie sexuelle en énergie spirituelle pour plus de santé, plus de vitalité, plus de créativité, développer pourquoi pas des dons, pourquoi pas vivre des expériences mystiques, etc. Bref, on va parler un peu de tout ça, il y en a pour tous les goûts. On verra que dans ton programme, tu as interviewé des personnes assez atypiques comme des coachs sexuels, un acteur porno, un moine tantrique. Bref, c'est vraiment une vidéo, je pense, qui va beaucoup vous intéresser. Mais encore une fois, on va pouvoir, je pense, y aller hein, dans cette réserve, regardez, archéologique. Ici à Mazunte, vraiment magnifique, on va vous montrer des endroits à couper le souffle. Moi j'aimerais aussi que tu nous racontes, on va commencer la vidéo par ça Gaspard, qui t'étais il y a quelques mois en arrière, on va même pas parler en années, on va parler en mois, et comment t'en es arrivé là, et comment t'es arrivé au point d'être un espèce justement de Napoléon Hill, mandaté par un espèce de Dale Carnegie pour réaliser ce qui est aujourd'hui et de très très loin. Vous pouvez chercher, franchement, comme toujours, ne me croyez jamais. Vérifier par vous-même la plus grosse formation sur l'énergie sexuelle qui puisse exister, en tout cas en version, on va dire, numérique, 100% en ligne, etc. Et je pense que même dans tout ce qui peut exister en termes de retraite, etc., je pense que là, tu as mis la barre tellement haute que, à mon avis, il n'y a rien de. Il n'y a pas d'équivalent. C'est vrai qu'en France, on a cherché, dans toute la francophonie, il n'y a vraiment rien d'aussi gros
sur l'énergie sexuelle et en fait sur cette thématique-là. Mm-hmm. Donc ce qui s'est passé en fait, c'est que moi, ça fait déjà maintenant 7-8 mois, voire un an, que je m'intéresse vraiment à l'énergie sexuelle et vraiment à cette thématique-là. Ça fait quand même plus longtemps que je m'intéresse à l'énergie, on va dire une petite année sur l'énergie sexuelle, et j'ai eu des résultats hallucinants dans ma vie. Ça m'a apporté des choses qui vraiment ont révolutionné ma vie sexuelle et des choses qui étaient à l'opposé de mon système de croyances habituel. Et David est venu vers moi cet été, on a passé 2-3 semaines ensemble, donc c'est vraiment bien éclaté dans le sud de la France. Et on a eu l'occasion en fait de discuter énormément de l'énergie sexuelle à ce moment-là. Mmh. David avait fait déjà quelques vidéos, en fait, s'était rapproché de ce sujet-là aussi et avait eu des super expériences dans sa life. Et en fait, on a eu l'idée de créer un programme énorme, donc de prendre le temps d'aller interviewer des gens, d'aller vraiment créer une équipe, de fédérer une équipe de professionnels de l'industrie du X et de l'énergie, de la bioénergie, et de rassembler une équipe pour créer une méthode étape par étape pour apprendre aux hommes à maîtriser leur éjaculation et maîtriser leur énergie sexuelle. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une vraie demande et surtout une vraie magie, un vrai produit. Il y avait vraiment des vraies techniques qui pouvaient vraiment aider concrètement des milliers d'hommes. Et donc on a décidé avec David de me mandater, de prendre le temps d'aller interviewer des personnes, d'aller vraiment fédérer un groupe de professionnels pour créer une équipe. C'est ça. De thérapeutes en fait dans l'énergie sexuelle. C'est ça, et des professionnels qui sont atypiques parce que il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est-à-dire que l'acteur porno, ça va peut-être moins parler à ceux qui sont plutôt dans une recherche surtout de transmuter l'énergie sexuelle pour la canaliser et la rediriger par exemple vers plus de créativité, que ce soit pour un business, son art ou quoi que ce soit, du sport ou autre. Et à l'inverse, l'extrême opposé, c'est que tu vas avoir par exemple un moine tantrique dans ce programme que tu as interviewé et qui lui va te donner qui va nous donner en fait une version beaucoup plus ésotérique, beaucoup plus mystique d'énergie sexuelle, etc. Et entre les deux, y a ta vision à toi de quelqu'un qui commence à avoir une certaine expérience, de vraiment confirmer dans la maîtrise, dans la pratique d'énergie sexuelle, etc. Et tu parleras peut-être de tous les bienfaits que ça a pu t'apporter et à tes partenaires également, voilà. Mais entre les deux, il y a également aussi un coach sexuel, où c'est-à-dire que c'est un ami à moi que j'ai présenté à Gaspard. Ils ont tourné des vidéos ensemble et donc notre ami Thibaut Martin, qui est coach sexuel, a pu donner toute son expérience d'approche, c'est-à-dire que lui, dans son métier, il aide des hommes qui ont par exemple des problèmes d'érection, des problèmes de qu'on appelle ça, tu sais, d'éjaculation précoce, tout ça, mais aussi des mecs qui ont tout simplement envie de performer pour satisfaire leur femme et les emmener littéralement au 17e ciel, tu vois. Je fais exprès de dire 17e parce que là, c'est vraiment un autre niveau, quoi. Ouais. Et alors, moi, ce qui m'intéresse aussi de savoir, c'est que moi, à la base, c'est vrai que quand on s'est rencontrés, en plus, j'étais en pleine création, je vais pas dire en plein lancement, mais presque, j'étais sur la finition de mon programme de réalité augmentée, qui est le tout premier programme vidéo issu de la Société des Alchimistes, on va dire. Avant même qu'on parlait d'énergie sexuelle, comme on pourrait parler finalement de, je sais pas, d'autres gars, de football, de la vie de tous les jours, quoi. Mais surtout, comme moi j'étais pas mal chez toi, tu me voyais entre nos petites loisirs, nos petites sorties, tout ça. Tu me voyais beaucoup en train de travailler, ouais, tout ça, et tu me posais plein de questions. Et moi, je me rappelle que ça me faisait vraiment kiffer parce qu'en fait, je me disais, c'est intéressant que quelqu'un qui soit un total débutant là-dedans, c'est-à-dire que WordPress, tu savais même pas ce que ça voulait dire, tu vois. C'était vraiment, il partait de rien, quoi. Il savait pas ce que c'était un tunnel de vente, enfin rien en fait. Tu partais de zéro, quoi. J'avais de la maîtrise dans la thématique, mais en soi, savoir le mettre en avant, savoir tourner des vidéos, savoir écrire des séquences de mails automatiques, savoir vraiment créer une formation, j'étais totalement débutant là-dedans. Et ouais, effectivement, quand tu dis que je savais pas faire un clic droit, parfois je t'ai posé des questions et t'as halluciné, tu me disais quoi, et tu savais ce que c'était un autorépondeur, non? Le terme autorépondeur. Je savais ce que c'était, mais je m'en étais jamais servi, je savais encore moins l'utiliser, quoi. Et donc moi voilà, à me voir travailler de chez toi, ça t'inspirait, tu m'as posé beaucoup de questions. Moi-même, ça m'inspirait parce que le fait de répondre à des choses que je connais bien, que je maîtrise bien, je trouvais qu'il y avait un truc cool. Et moi, je sentais personnellement qu'il y avait quelque chose qui allait se passer. Et il se trouve qu'en fait, lorsqu'on parlait d'énergie sexuelle, donc moi, j'avais, tu sais, tu te rappelles, je te disais, ouais, moi, ça fait partie, c'est dans les tablettes de LSDA, c'est 15 jours. En plus, j'avais déjà sorti une ou deux vidéos sur la chaîne, tu sais, que tu m'avais dit que ça t'avait bien inspiré et tout. Juste au même moment. Et le truc, c'est que du coup, moi, je te disais comme ça, ouais, tu sais, un jour, là, j'ai pas l'énergie, j'ai pas le temps pour ça, mais un jour, j'ai envie de sortir un programme vraiment sur l'énergie sexuelle, un truc de fou, quoi. Et toi, tu m'as dit, ah ouais, ce serait trop bien et tout, machin. Et quand j'ai vu ton enthousiasme et tout, je me suis dit, tu sais quoi, on va se la faire à la Carnegie et Napoleon Hill. Et en fait, vas-y, je vais te mettre en relation avec le coach sexuel. On va voir ce qui se passe.
je t'ai recommandé 2-3 bouquins, il y en a que tu as découvert par toi-même et tout ça. Et à partir de là, j'ai plus eu de tes nouvelles pendant un petit moment, parce que moi, je suis parti au Mexique entre-temps. Enfin, je savais que tu allais réaliser ce projet. Je savais pas encore que ça allait prendre les proportions d'une formation qui allait être un truc vraiment énorme comme tu as fait. Mais donc, j'avais des nouvelles sans vraiment en avoir. Et à un moment donné, là, j'ai réalisé, je me dis, mais qu'est-ce qu'il est parti faire? Là, ils sont en train de tourner des vidéos. Putain, il est parti voir un moine. Là, tu m'as dit que tu avais eu le contact de Katsumi et de Manuel Ferrara, je sais plus, ouais, là, en gros, c'est le numéro un des acteurs porno hommes, quoi. En plus, qui est franco-portugais, je crois. Bref, au final, avec l'histoire de Covid, machin, les interviews, c'était plus compliqué que prévu, mais vous inquiétez pas, il y a tout un tas de belles surprises dans la formation. Et là, j'ai vu qu'il était vraiment en train de se passer un truc de fou, et j'ai vu que celui-ci était en train vraiment de s'y mettre à fond, quoi. Alors, comment tout ça a commencé, en fait? Je veux dire, bon, là, on a expliqué comment tout ça a commencé, je veux dire, mais comment tout ça s'est prolongé une fois que moi je suis parti au Mexique? Toi, t'avais, j'imagine, un certain désir ardent. T'as commencé à lancer le truc et tout. Et comment ça s'est passé, quoi? Je commençais à y penser tout le temps, en fait. J'ai vraiment eu comme objectif de créer, donc de fédérer une équipe de professionnels un peu de tous les horizons dans cette thématique, donc vraiment de mettre en opposition plusieurs avis différents. Mm-hmm. Et donc d'aller rencontrer ces personnes-là a vraiment augmenté mon désir, l'a rendu concret, l'a rendu réel, parce que j'avais vraiment des professionnels en face de moi qui était hyper chaud pour créer vraiment une plateforme de malades. Aider des milliers de personnes. Et donc ça a commencé à créer un engouement, il commence à avoir donc ces professionnels qui commençaient à compter sur moi pour créer quelque chose vraiment d'énorme. Et donc j'ai continué d'aller en interviewer, donc vraiment quand je suis passé du coach sexuel au moine tantrique, à l'acteur porno, à tourner moi-même des vidéos seul et à voir vraiment l'ampleur que ça prenait et le niveau qu'on commençait à donner en fait à ce programme, vraiment la qualité, quoi. La qualité qui commençait vraiment à se créer. Ouais. Ben c'est là que ça a commencé à faire partie intégrante de ma vie et être vraiment l'objectif numéro un de mes journées, en fait, petit à petit, quoi, vraiment en se concrétisant petit à petit. Est-ce que tu as conscience que grâce à ce que tu as fait, parce que bon, moi, j'ai ma partie à moi dans le programme, c'est-à-dire que donc Gaspard, il a structuré la formation, avec du début jusqu'à la fin, vous allez le voir. Mais entre tout ça, vous allez avoir des intervenants qui vont apparaître dans des moments stratégiques comme le coach sexuel, le moine, tantrique, l'acteur porno, tout ça. Et moi, j'ai ma partie à moi aussi où je vais vous partager tous mes secrets. Et notamment, je vais vous révéler tout ce que Grandmaster Tsai, mon grand maître, m'avait enseigné sur l'énergie sexuelle. Et je peux vous dire qu'il m'en avait enseigné un paquet et que j'étais le seul vraiment de l'Inner Cycle à être au courant de tout ça. Parce que si tu veux, je lui ai fait cracher le morceau à mon maître au coin d'une table. Je me souviens où il était un peu pas bourré, tu vois, mais il avait bu 2-3 verres et il était plus enclin, parce qu'en fait je sentais qu'il avait une forme de résistance à me délivrer ses secrets. Je sais pas si c'était un truc un peu d'ego, du style je vais être jaloux, du coup tu vas être aussi bon que moi, tu vois, il pouvait être un peu comme ça, mon maître, ou si c'était tout simplement qu'il avait une certaine appréhension qu'on fasse n'importe quoi avec l'énergie sexuelle, tout ça. Parce que c'est vrai que si c'est mal utilisé, il peut y avoir, comme dans tout en fait, des abus, il peut y avoir, tu vois, des voilà. Et nous, dans ce programme, on essaie vraiment d'amener une dimension justement de respect et de connexion énorme entre l'homme et la femme, que ce soit pour, on va dire, des relations, des rapports où c'est entre guillemets purement sexuel, c'est-à-dire des partenaires un peu éphémères d'un soir, ou pour des couples qui soient ensemble depuis 2 semaines, 6 mois ou 40 ans, tu vois. Donc dans ce programme, il y a tous ces intervenants, il y a toutes ces choses qui ont lieu d'être, on va dire. Comment tu as fait, en fait, pour partir de rien comme ça, tout structuré, et finalement, ce qu'on va en parler, c'est ce qui amène un peu ma question, c'est un peu une double question, c'est que sans t'en rendre compte, tu étais en train de créer un outil, on va dire, mais pour moi c'est bien plus qu'un outil, en fait c'est un style de vie, c'est un lifestyle, tu vois, c'est quelque chose qui va vraiment, pour moi, en fait, révolutionner la vie de couple des hommes comme des femmes, mais aussi la vie, bien sûr, sexuelle. Mais pas juste les dimensions des relations et de l'énergie sexuelle, on en parlera peut-être après. C'est-à-dire que la maîtrise de l'énergie sexuelle, ça te rend hyper... Enfin, en fait, ça vient vraiment remplir tous les domaines de ton existence, comme
booster ta créativité. Si tu fais du sport, bah, tu vas avoir une énergie à revendre. Tes intuitions, tes dons, tes facultés psycho-spirituelles, j'ai envie de dire, etc., etc. Et bref, donc sans t'en rendre compte, tu étais en train de créer un programme qui allait vraiment révolutionner le quotidien des hommes, des femmes, etc. Et maintenant qu'on y est, ça y est, puisqu'au moment où les gens regardent cette vidéo, bah, vous avez tous les liens dans la description. Ton programme, il est sorti, ta formation, elle est sortie. Il faut savoir que là, la formation, elle va être ouverte. C'est-à-dire que les portes de la formation, petite parenthèse, vont être ouvertes que pendant... combien ? Deux semaines ? 14 jours. 14 jours, ouais. Ou alors sans élèves, il me semble que c'est ça. C'est les deux. Sans élèves maximum, c'est l'un ou l'autre. Sans élèves et une ouverture pendant 14 jours. Et pourquoi ? Parce que, dis-nous, parce qu'en fait, tu veux garder un aspect qualitatif, j'imagine. J'ai pas envie de m'occuper de 1000 personnes, car je veux vraiment offrir un suivi humain avec toute mon équipe qui amène les résultats escomptés. C'est pour ça qu'on a offert une assurance satisfaction, satisfait ou remboursé, pour vraiment vous assurer de réussir, d'obtenir vos résultats. À la suite de ces 2 mois et demi de coaching, vous allez vraiment maîtriser votre énergie sexuelle et maîtriser votre éjaculation. Et si on a 1000 personnes, on a peur de ne pas pouvoir vraiment s'occuper la meilleure des façons de ces 1000 personnes. C'est pour ça que pour ce premier lancement, on fermera la plateforme à 100 membres. Voilà. À 100 membres, et on s'occupera vraiment de 100 membres du mieux qu'on peut. Et vous avez évidemment un prix spécial pour toutes les personnes qui passeront par le billet de LSDA, puisque c'est normal. Pour ce premier lancement, on voulait surtout permettre à la communauté LSDA d'avoir accès en premier à ce programme qui va vraiment qui est déjà révolutionnaire et qui va révolutionner beaucoup de vies. Et on sait que quand on relancera le programme, quelques mois après ce premier lancement, là, ce sera un tout autre niveau, on s'adressera à un public plus large. Et par contre aussi, évidemment, le tarif risque de facilement doubler ou tripler parce qu'on est conscient qu'il y a une valeur hors norme. Et surtout, on met un certain prix parce que c'est pas tant les filles qui nous inquiètent, c'est plutôt les mecs. C'est que si tous les mecs ont accès à ça, on veut pas que ce soit entre les mains de connards qui font n'importe quoi, qui prennent les femmes un peu pour des pas envie de mettre de mots là-dessus, mais donc on a envie que ça garde quand même quelque chose d'assez prestigieux et pour que les gens aient vraiment une conscience et une notion que l'énergie sexuelle, c'est pas un jeu, c'est quelque chose de vraiment puissant. Quand on parle de processus alchimique, vraiment de transmutation énergétique, il y a un risque de dommage pour la psyché de l'initié, et c'est pour ça que ces connaissances depuis toujours, elles ont bénéficié l'apprentissage auprès d'un mentor ou auprès d'un maître. Normalement, ça se fait toujours auprès d'un maître, c'est ça, ouais. Directement de personne à personne. De personne à personne, parce qu'il y a vraiment des choses importantes à faire. Et donc, je disais tout à l'heure, on a fait une petite bifurcation. Mais donc là, je pense que tu ne te rendais pas vraiment compte sur le coup que tu étais en train de sortir quelque chose qui allait vraiment révolutionner la vie de beaucoup de gens. Et je sais que pendant toute cette période de création que tu as faite, alors à bout d'un moment, tu as fini par me rejoindre au Mexique, tu vois, parce qu'il y avait des choses évidemment qu'on devait revérifier, double-checker ensemble. Achever ensemble, etc. Comme cette vidéo notamment où on vous présente tout ça sur cet endroit absolument incroyable comme vous pouvez voir. Et je sais que tu as eu des moments, évidemment, énormément de moments de... Alors à toi de qualifier ça, de doute, de remise en question, de remise en question, de mort imminente même si tu veux. Qu'est-ce que tu auras envie de dire aux gens qui se... Parce que voilà, la seule chose que j'ai envie de dire avant pour introduire ce que je disais là, c'est que j'en connais des tonnes, des types, des garçons, des femmes, qui au coin d'une table, entre quatre murs, me disent « Oh, je vais faire une application, je vais faire ça, je vais créer un programme, je vais sortir mon tunnel de vente, je vais créer ma chaîne YouTube, je vais faire ci, je vais faire ça, blablabla, blablabla. » Et quand tu les revois 6 mois plus tard, tu leur demandes « De quoi tu parles ?» Hein ?« Je comprends pas de quoi tu parles. » Tu vois, c'est vraiment sorti de leur psyché. Et toi, tu es là, tu n'y connais rien, tu étais cuisinier, tu étais un peu en mode année sabbatique, tu te retrouves, tu vois ce que tu veux faire, tout ça. Et là, d'un coup, boum, tu as le désir ardent, boum, tu pars, tu fonces tête baissée. Moi, je pars au Mexique, on s'éloigne un petit peu de façon de parler, quoi. On est un peu moins en contact et tout, forcément. Et là, d'un coup, j'apprends que ça y est, t'es en train d'éclater le truc, de vraiment d'y aller, quoi. Et j'étais surpris sans être surpris, parce que je te connais, mais j'étais quand même agréablement surpris de me dire, enfin, quelqu'un qui, après avoir parlé, il agit vraiment, tu vois. Et du coup, qu'est-ce que t'as envie de dire aux gens qui auront envie de se lancer, de créer un programme comme ça, un produit d'information, que ce soit un programme vidéo, un e-book, un livre papier même, que ce soit quelqu'un qui a envie d'organiser une retraite, un workshop, en gros de faire un truc nouveau, parce que là clairement c'est tout nouveau pour toi. Tu verras que la prochaine fois que tu sortiras un programme, même sur un sujet qui n'a rien à voir, ce que tu as fait en 6 mois, tu le feras en 3 semaines, ce sera super simple. Comme on dit, il faut 10 ans pour faire son premier million et il faut 1 an pour faire son second million. Donc ça c'est facile.
normal, c'est logique, c'est des lois un peu mathématiques, mais qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens comme ça qui se lancent et qui forcément, parce que avant de se lancer, il y a des gens, ils sont déjà dans la flip et c'est pour ça qu'ils se lancent pas, mais toi, après t'être lancé, il y a quand même ce truc de putain, de beaucoup de remise en question. Ah, il y a toujours des remises et qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens en fait, même maintenant, au moment où on sort cette vidéo là, ben, c'est qu'est-ce qui se passe quoi? Moi, c'est ce qui m'a permis de faire tout ça, c'est vraiment d'avoir déjà un vrai désir de créer cette formation et toute cette plateforme, parce que j'avais vraiment la vision de ce que ça pouvait donner. En fait, donc d'avoir une vision assez claire de ce que tu veux, pour moi c'est essentiel, et surtout de bien lister tes to-do list tous les matins, c'est-à-dire de ne pas regarder tout ce qu'il y a à faire dans sa globalité, de ne pas te faire une liste de un mois, dire yay yay. Moi, ce qui m'a vraiment motivé en fait, c'est de regarder aujourd'hui qu'est-ce que je peux faire. Aujourd'hui, écoute, j'ai ça. Je peux faire qu'une seule partie de tout ce qu'il y a à faire, parce qu'il manque ci, il manque cela. Donc concentre-toi sur ce que tu peux faire aujourd'hui. Et chaque jour, fais un pas de plus. Et vraiment, c'est de se dire qu'on a tendance à surjouer nos capacités sur du court terme. On pense que sur un jour ou deux, on peut faire énormément de choses, alors on n'en fait pas tant que ça. Mais sur le long terme, sur un mois, deux mois, trois mois, on a tendance à baisser nos capacités. Si vous concentrez trois mois sur un objectif, que tous les matins vous vous réveillez avec le même objectif, en trois mois vous faites bouger des montagnes quoi. Moi c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Et la deuxième chose, c'était de m'entourer, et de rien d'avoir, même si on était un peu éloigné au niveau géographique, que ce soit avec toi ou avec le coach sexuel, avec l'acteur porno, le tantrique, ça a quand même créé une espèce de cohésion dans mon énergie, dans mon état d'esprit. Le fait vraiment de s'entourer des personnes qui vivent de cette façon-là et qui sont en accord avec ton objectif, avec ton rêve, ça permet de te maintenir dans cette énergie de création en fait. Donc vraiment, pour moi, c'est d'avoir un objectif tous les matins, d'avoir des choses à faire, des petites tâches à faire tous les matins, et de s'entourer des bonnes personnes. La moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus, c'est énorme. Pour moi, ça a vraiment joué, le fait d'avoir des entrepreneurs autour de moi, d'avoir des personnes qui créent des formations, et puis aussi d'avoir déjà des résultats dans ma vie. Ça veut dire qu'il faut déjà être ton produit. Moi, ça a révolutionné des choses à l'intérieur de ma vie sexuelle et dans ma vie en général. Et c'est ça aussi qui a fait que j'étais vachement aligné et qui m'a donné envie de partager ça avec les autres personnes, parce que j'aurais aimé qu'on partage faire, ça. Tu te dis, si moi je peux le faire, il n'y a pas de raison que les autres n'y arrivent pas. Tout le monde peut le faire. Ouais. Parce que c'est vrai qu'à la base, nous deux, on n'est quand même pas les types les plus prometteurs. On va dire qu'on commence pas Gamer Kart entre les mains. Lui aussi, c'est un bon ancien délinquant, on peut le dire, tu vois. Et aujourd'hui, on est là, voilà, après avoir fait quelques bêtises, comme il dit. On est là et on aide des vies, on transforme la vie des gens, tout ça sans avoir prétention d'être... Voilà, il peut y avoir des gens qui peuvent être pour des raisons X ou Y pas contents, parce que je sais pas, ils n'aiment pas le débit, comment tu parles, ou ils n'aiment pas, j'en sais rien, bon bref. Mais toujours est-il que là, ok, la forme est toujours discutable, mais ce qu'il y a dans le fond de la formation, moi je le sais, et je peux vous dire que bah, franchement, on est quand même des rares, on est des rares acteurs du marché de l'information à proposer encore aujourd'hui, ça se faisait plus à l'ancienne, mais une garantie de satisfaction remboursée totale, parce qu'on sait en fait que c'est un produit qui est hors norme. Alors, tu as dit deux choses juste sur lesquelles j'aimerais rebondir, qui peut être intéressant pour bah, notamment la communauté LSDA, mais pas que. C'est qu'en fait, donc, dans tout ce cheminement, ce qui t'a vraiment tenu en haleine et ce qui t'a fait persévérer malgré les doutes et tout, tu as dit deux choses. Tu as dit la première chose, c'est que déjà, j'étais entouré des bonnes personnes, etc. Donc ça, c'est une règle de base. Hein. On devient la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. C'est l'effet mastermind. Quand tu passes du temps avec quelqu'un, que ce soit physiquement ou virtuellement, les deux cerveaux se connectent. Il y a une alchimie qui se crée et c'est comme si toi, tu absorbes un peu une partie de mon mindset et vice-versa. Voilà. C'est pour ça que tu n'as pas intérêt de fréquenter des cons, sinon tu absorbes leur connerie. Quoi. Et alors, une autre chose que tu as dit qui est intéressante, c'est que tu disais, je restais focalisé sur l'instant présent, sur vraiment la tâche en cours. Et ça, c'est un truc puissant parce que moi, je me suis beaucoup intéressé à la neuroscience, la PNL, enfin, plein de trucs comme ça. Et j'avais découvert que dans les forces spéciales, il y a des gens, tu vois, il y a des soldats qui sont dans les stages de formation pour devenir, par exemple, tu vois, commando, tout ça, donc l'élite de l'armée, quoi. Et en fait, ceux qui abandonnent, c'est pas un problème de mental ou de physique, alors pour certains, si. Mais c'est surtout qu'en fait, par exemple, si t'es dans une épreuve de froid où ton instructeur te met à poil la nuit au bord d'une plage, bien évidemment, pas une plage comme ici, mais plutôt une plage en Bretagne où tu te gèles ce que je pense. Ceux qui arrêtaient en fait, c'était des gens qui étaient en train de se dire « Putain, il me reste encore 2 heures à tenir, je vais jamais y arriver. » Alors que ceux qui étaient dans le moment présent, voilà, ceux qui étaient dans le moment présent, qui étaient vraiment en train de penser à l'instant présent, « Ok, je me les gèle, mais je me les gèle ici et maintenant. » Bah, vu qu'ils n'étaient pas en train de se dire « Ah putain, il reste 2 heures, il reste 1 heure et demie, etc. »
pouvaient pas avoir envie d'arrêter parce que du coup ils sont trop dans le moment présent, tu vois. Bon, donc ça c'est la première chose, ça c'est une technique qui est ultra puissante, qui moi quand j'ai découvert ça, tu vois, récemment on a fait une temazcal ici là à Mazunte, donc c'est une butte de sudation, il fait très très chaud, tu vois, les Mexicains ils y vont. Et en fait tu as 4 stages et chaque stage est de plus en plus chaud, de plus en plus long, tout ça. Et moi arrivé au 3e stage, la première fois j'étais là, je dis ah non mais j'en peux plus quoi, c'est pas possible moi la chaleur, tu vois. Bon. Et en fait je me rappelle cette règle, au lieu de me dire attends, au lieu de te dire il reste 3 portes, 4 portes, machin, juste reste dans le moment présent, il n'est pas confortable, et voilà. Ça. Et ça déjà c'est un premier truc. Et après tu as dit autre chose, je sais plus si je m'en rappelle, t'as dit quoi? Bon bref, ça me reviendra peut-être. De faire des to-do's list, ouais tout ça, bon bref, non, ça m'est sorti, c'est pas grave. Alors, moi ce que j'ai envie de dire déjà bravo, donc vous avez encore une fois tout le lien dans la description, tout ça. L'énergie sexuelle pour toi, si tu peux le résumer rapidement, ça serait quoi en fait? Ok, donc on parle d'énergie sexuelle, d'énergie chi, d'énergie spirituelle, mais c'est comme expliquer les différentes sortes d'eau. Il y a la glace, il y a l'eau, il y a l'eau gazeuse, il y a l'eau liquide. Et en fait, il y a plusieurs phases de solidification de l'eau. Et pour moi, l'énergie, c'est pareil. C'est la même énergie. On a une seule énergie dans son corps. Mais on donne des noms pour essayer de la comprendre et de la catégoriser. Vous pouvez comprendre qu'il y a une différence entre l'énergie dite spirituelle, quand vous méditez, quand vous avez l'impression d'avoir une ouverture de conscience, et cette énergie animale qui va se manifester quand vous êtes attiré par une femme ou dans une certaine situation, par exemple au sport, vous avez une autre énergie qui se réveille. Donc c'est en fait, c'est votre énergie corporelle, c'est votre même énergie, mais qui est à différents stades en fait de son évolution. Et donc le but de cette formation, c'est d'apprendre à transmuter cette énergie animale, cette énergie, on va dire, sexuelle, ouais, purement sexuelle, à la mettre en conscience en fait, à faire des exercices de circulation consciemment pour faire sortir cette énergie, on va dire, de ses parties génitales, de cette zone pubienne, et de la transmuter, de l'élever énergétiquement en énergie spirituelle pour pouvoir l'utiliser différemment et ne plus être attiré par elle de la façon dont on est attiré habituellement, c'est-à-dire de plus tirailler par exemple les femmes qui vont passer à l'extérieur de soi, de plus être attiré par ces sollicitations extérieures énergétiques, et réussir vraiment à reprendre cette énergie et à la mettre sur une cible en fait. Donc ça va déjà créer un sentiment d'abondance à l'intérieur de soi, parce qu'on n'est plus dans un manque extérieur d'énergie sexuelle, on est vraiment dans une transmutation de cette source énergétique qu'on a à l'intérieur de nous. Et donc il y a des transmutations sur énormément d'aspects de nos vies en fait, en maîtrisant cette technique. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que du coup, nous, on le sait dans notre vie quotidienne, je veux dire dans notre vie de tous les jours, quoi, que voilà, l'énergie sexuelle, lorsqu'on la maîtrise, lorsqu'on la comprend, et lorsqu'on sait l'utiliser intelligemment, par exemple, des hommes comme nous, on est capable de durer littéralement des heures et des heures et des heures. En fait, on est capable de durer littéralement, si on le voulait, 8 heures au lit. Mais à un moment donné, ça n'a plus aucun sens, ni pour toi, ni pour ta partenaire. Mais en tout cas, si on veut, on peut durer une heure, deux heures, voilà. Et surtout, sans éjaculer, c'est-à-dire sans perdre notre énergie la plus... notre semence, finalement, la plus importante, la plus vitale. Parce que quand tu réfléchis, dans quoi? Quand tu éjacules, c'est à peu près une petite cuillère à soupe de sperme. Ouais. Et c'est des milliers, c'est des millions ou des milliards? C'est des milliards. Des milliards, ouais. C'est hallucinant. Si tous les spermatozoïdes ovulés, si tous les spermatozoïdes d'une éjaculation. Tomber la planète, on serait combien? En une éjaculation, tu repeuples la planète. Ouais, en une éjaculation, tu repeuples la planète. Donc c'est pour dire que c'est une énergie qui est quand même super puissante, quoi. Et à chaque fois que tu éjacules, si t'es un mec que tu regardes cette vidéo, mais si t'es une fille que tu regardes cette vidéo, bah tu vas peut-être pouvoir commencer à t'intéresser à tout ça et à parler avec ton partenaire et à voir comment ça peut faire pour que déjà ton homme il garde son énergie. Ce qui va se passer, c'est qu'une fois qu'il va jouir, vu qu'il va jouir mais sans éjaculer, parce que oui, éjaculer et avoir un orgasme, c'est deux processus distincts, ton homme, tu vas voir qu'une fois qu'il vient, c'est toi qui vas dormir et c'est lui qui va avoir plein d'énergie. Et il aura encore plein d'énergie créatrice notamment. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, donc, des hommes comme nous, on a la capacité donc, de durer indéfiniment au lit, tout ça, du coup, évidemment, de satisfaire nos partenaires à un point qu'il est impossible d'imaginer. Je pense qu'il n'est pas rare qu'à chaque fois que tu couches avec une fille, elle te pose plein de questions, elle te dit mais comment ça se fait, comment tu vas? Et ça, c'est un truc qu'il faut le dire. C'est, même si on a quand même beaucoup dépassé le stade d'être purement dans l'ego, on aura toujours un ego même à 90 balais. C'est quand même très gratifiant, très nourrissant pour un homme
de savoir qu'à chaque fois que tu couches avec une fille ou avec ta copine, toi, ta partenaire, que littéralement, elle se rappellera de toi toute ta vie parce que personne n'aura couché avec elle comme toi tu l'as fait, tu vois. Sans parler de performance, de gratitude égoïque, c'est vraiment comprendre que plus tu peux durer au lit, plus tu peux durer longtemps, plus tu peux en fait récupérer d'énergie sexuelle pour la transmuter en énergie vitale. Exactement. Et donc, plus tu vas tenir longtemps, plus tu vas pouvoir bénéficier de cette source d'énergie à l'intérieur de ton corps. Sache que si tu éjacules très rapidement, tu n'auras pas pu passer assez de temps dans le rapport, tu n'aurais pas pu transmuter un maximum d'énergie sexuelle. Ouais. Donc ça va se ressentir, en fait, on va ressentir les personnes qui ont très peu d'énergie sexuelle et qui tiennent pas longtemps au lit. Ça se ressent, en fait, ça se ressent vraiment dans la structure. Moi, dans ta formation, j'ai toute une partie, en fait, alors c'est une partie additionnelle, c'est vraiment la formation de l'énergie sexuelle pour les femmes, où je suis accompagné d'une très charmante brésilienne avec qui j'ai un rapport évidemment assez intime, pas dans la vidéo, hein, mais dans la vie de tous les jours, quoi, puisque c'est ma copine depuis quelques temps maintenant. Et c'est vrai qu'elle, au Brésil, c'est vrai que c'est une autre énergie, les filles sont beaucoup plus libérées, tout ça. Et je trouvais que c'était important qu'elle partage son point de vue, qu'elle puisse donner des conseils aussi aux femmes pour déjà décupler leur énergie sexuelle. Les femmes pourront voir qu'il y a beaucoup d'exercices de musculation, des muscles qui entourent le vagin pour justement pouvoir contrôler l'énergie sexuelle. Pourquoi pas retenir l'homme en lui pendant qu'il la pénètre, tout ça. Donc c'est vraiment des choses qui sont puissantes. Et justement, j'allais dire, donc, à la suite de ce que tu disais, pour rebondir sur ce que tu dis, donc, au-delà du fait en tant qu'homme d'être vraiment heureux, tu vois, pour mon côté un peu maîtrise de l'énergie, tout ça, t'es aussi très content de faire plaisir à ta ou tes partenaires, et parce que c'est que finalement le sexe, quand c'est bien fait dans un bon cadre et dans un finalement le sexe, j'ai envie de dire, c'est que de l'amour, tu vois. Mais c'est épanouissant, c'est littéralement ça, tu vois, valorisant pour l'âme et pour la personne. C'est valorisant autant pour l'homme que pour la femme, surtout quand elle a la chance de tomber sur un homme qui, on peut le dire, est un homme multi-orgasmique, quoi, parce que ça court pas les rues, je peux te dire. La moyenne d'un rapport sexuel, faut savoir que c'est je parle juste de la pénétration, c'est à peu près 7 minutes. Ouais, c'est ça. Et il faut savoir que 50% des femmes, tout âge confondu, n'ont jamais eu d'orgasme. Et ça, c'est un truc, tu sais que je l'ai appris pendant le tournage de la vidéo, enfin de la formation. De la formation, parce que même si j'en connaissais un rayon, tu sais, pour moi, dans mon esprit, souvent les trucs que nous, on fait, nous, dans notre vie, on pense que tout le monde le fait. Donc moi, je me dis, moi, si j'insiste vraiment sur les préliminaires, parce que je sais que c'est important, tu penses que tous les hommes le font. Et quand je découvre en écoutant ou en discutant avec des coachs sexuels, femmes ou hommes d'ailleurs, qui te disent, ben non, mais la plupart des hommes, ils pensent même pas aux préliminaires, c'est direct, j'arrive, boum, tac, tac. Et aussi, c'est là que j'ai appris, surtout ça qui m'a le plus choqué, c'est, je me dis, quoi? Une femme sur deux n'a jamais eu d'orgasme? Je dis, mais c'est un scandale, c'est pas normal. Alors c'est pas que la faute de l'homme parce qu'il tient pas assez longtemps, la femme a aussi beaucoup à y voir là-dedans, elle a besoin d'être en lâcher prise, d'être suffisamment à l'aise avec elle-même, en fait on peut parler d'amour propre pour qu'elle puisse jouir. C'est-à-dire qu'une femme, on en parle dans la méthode, mais pour moi en tout cas, et pour aussi cette fameuse brésilienne que vous découvrirez, il y aura une vidéo qui arrivera sur la chaîne et tout ça, c'est qu'une femme qui n'arrive pas à jouir elle-même toute seule ne pourra jamais jouir avec un partenaire, même, ça, c'est sûr. Parce que voilà, ça, c'est sûr, bon. C'est elle qui se retient. Et alors pour avancer un peu sur ce que tu disais, ouais, au-delà de simplement le côté sexuel, finalement, le côté sexuel, c'est con à dire, mais on pourrait presque dire que c'est pratiquement rien, c'est par rapport à tout le reste. Parce qu'en fait, cette énergie sexuelle, donc lorsque tu éjacules pas, l'idée, c'est, si on écoute les taoïstes, les moines tantriques, tout ça, c'est en fait de faire remonter le sperme au lieu de le perdre à l'extérieur de nous, c'est de le faire remonter dans le cerveau. Alors évidemment, tu fais pas remonter le sperme tel quel dans le cerveau, mais tu fais remonter l'énergie du sperme dans le cerveau. Et quand tu fais ça, en fait, du coup, ton sperme, tu ne le perds pas. Et en faisant ça, qu'est-ce qui se passe? Donc, on est d'accord pour dire qu'on a une créativité, une énergie. Si tu fais du sport, tout ça, t'as une pêche de fou, tout ça. D'ailleurs, petite parenthèse, mais Didier Deschamps ou Aimé Jacquet, je confonds. L'entraîneur en 98 du monde. La plupart des grands sportifs sont interdits de d'éjaculer. Donc, c'est même pas juste de coucher, tu vois, c'est même se branler, tout ça. Ils sont interdits d'éjaculer, surtout dans les sports de combat, par exemple, où là, il faut avoir vraiment la rage et tout ça. Carrément. En fait, les hommes qui regardent cette vidéo, la plupart ont l'habitude d'éjaculer très souvent, trop souvent dans tous les cas. Beaucoup trop souvent. Et du coup, essaye, si tu as l'habitude de te masturber tous les jours, tous les deux jours, tous les trois jours, essaye juste de te retenir pendant une semaine ou 10 jours et tu vas voir que tu vas être comme ça. C'est vraiment un truc puissant. Le truc vraiment à comprendre, c'est qu'on dit de pas éjaculer. Le fait est que si vous faites ça maintenant chez vous, vous n'avez pas vivre un orgasme en dissociant votre éjaculation. Du coup, à chaque fois que vous avez un orgasme, vous éjaculez. Et si là, vous arrêtez au final d'avoir des éjaculations, ok, vous n'allez plus perdre votre énergie sexuelle, mais vous n'allez plus vivre d'orgasme. Et donc, ça va devenir négatif pour vous
parce que vous allez avoir un déni sur votre pulsion sexuelle, sur ces pulsions naturelles. Et donc, c'est pas bon non plus parce que vous allez accumuler des tensions. Donc, le but de cette formation, c'est aussi d'apprendre à dissocier son orgasme de son éjaculation pour continuer à vivre des orgasmes complets, donc vraiment complaisants, dans lesquels vous, vous prenez du plaisir et vous kiffez. Et à la fois, vous ne perdez plus cette énergie sexuelle, vous ne perdez plus votre sperme. C'est vraiment ça qui est vraiment important, c'est de comprendre ce qu'est l'orgasme cosmique pour pouvoir le commencer à le vivre. Ouais, c'est ça, ouais. Et il y a tellement de choses à dire, de toute façon. Combien d'heures elle dure ta formation là? Je dirais qu'il y a plus de 15 heures de vidéos, entre tes vidéos, celles du coach sexuel, l'interview de l'acteur porno, l'interview du moine tantrique, mes vidéos. Il y a plus de 15 heures de formation et il y a surtout 5 cycles. La formation est basée sur 5 piliers et on fait un pilier par cycle. Et à la fin de chaque cycle, on fait un zoom en fait tous ensemble avec des intervenants spéciaux. Donc il y aura le coach sexuel et un intervenant expert spécialisé dans la thématique du cycle. Donc le premier cycle sera sur la respiration. Vous aurez un intervenant spécialisé sur l'énergie, la bioénergie et la respiration. Le coach sexuel et moi-même pour répondre à toutes vos questions et aller en profondeur dans les concepts qu'on aura vus lors des 2 semaines précédentes. Puis après, on arrivera sur le module du périnée. Et à ce moment-là, il y aura un kinésithérapeute qui animera le Zoom avec le coach sexuel et moi-même pour répondre à toutes vos questions sur le périnée et ainsi de suite. Et donc, la formation sera vraiment structurée en 5 phases de 2 semaines avec 5 Zooms et 2 appels personnalisés humains. Vous pourrez avoir la chance de discuter avec le coach sexuel et avec moi-même pour vraiment qu'on aille en profondeur dans votre évolution. C'est marrant parce que le chiffre 5, en plus, tu l'as dit, je n'étais même pas au courant, mais c'est le chiffre de la transformation, de la transmutation, de l'alchimie, du changement, tu vois, donc comme quoi. Ouais. Bon, et pour terminer, alors, donc, on peut retrouver, j'imagine, ta formation. Bah, y a tous les liens qui seront dans la description sous la vidéo. On pourra retrouver éventuellement, si tu as des réseaux sociaux que tu peux partager ou autre. La dernière question que j'ai envie de te poser, et je rappelle que dans une autre vidéo qu'on risque certainement de tourner dans la foulée, là, après s'être tapé une montée quand même assez colossale. Donc on vous parlera dans une seconde vidéo où là on parlera vraiment purement d'énergie sexuelle, dont on vous donnera des conseils, tout ça. En fait, on vous donnera un bon spoiler, une bonne bande-annonce, on va dire, du film qui est la formation, quoi. On parlera d'énergie sexuelle librement et on vous donnera beaucoup de valeur ajoutée, voilà. Comment est-ce que tu te sens? Moi, si j'étais médium, tu vois, il paraît que j'ai quelques capacités à voir des choses. Pas besoin d'être médium pour ça, en gros. Attends, on va se mettre là parce que je pense qu'on est un peu à contre-jour. Donc, si dans 6 mois, allez, disons 1 an, tu avais une vidéo sur YouTube qui s'appellerait « De cuisinier en année sabbatique à millionnaire d'internet qui n'y connaissait rien », comment tu te sentirais? Parce qu'en fait, c'est pas pour l'argent, être millionnaire, tout ça, mais c'est juste, je me dis, tu viens d'un truc, tu vois, la cuisine, tu as commencé à 15-16 ans. Donc, tu as une éducation scolaire qui est plutôt courte par rapport à d'autres personnes qui arrêtent minimum vers 18-19 ans, tu vois, le bac et tout. Ah, c'est clair. Et toi, tu arrives dans un univers qui est tout nouveau et boum, et là, tu es en train de sortir un truc tellement révolutionnaire que moi, sincèrement, je serais pas étonné que tu sois sur des plateaux télé, radio, tout ça, à parler de ce que tu as fait, de qui t'es, tout ça. Parce que, encore une fois, ne nous croyez surtout pas sur parole. Expérimentez par vous-même et les gens qui vont expérimenter, moi, je le sais déjà parce qu'on a eu quelques personnes pendant la création de tout ça qui ont appliqué juste 3% de tout ce qu'il y a dans le programme et qui avait déjà des résultats de fou. Déjà, les quelques choses que... Tu sais, la vidéo que j'ai fait sur ma chaîne, vous avez le lien qui s'affichera ou qui sera dans la description aussi, où je donnais juste un tout petit truc, tu vois, je disais aux hommes, contracter le périnée, c'est quand même un des exercices de base, évidemment. Et ben, il y a déjà des résultats, tu vois, qui le prouvent, des gens qui ont laissé des commentaires, qui ont envoyé des messages privés en disant waouh et tout. Donc, imagine là, on est dans 6 mois et je t'interview, je dis voilà, monsieur Gaspard, qu'est-ce que vous ressentez d'être passé de la cuisine à millionnaire d'internet, façon de parler. Parce que ça se voit sur mon visage. Non, je suis très fier, je suis très content de passer de nourrir les gens avec ma cuisine à maintenant à nourrir les personnes avec cette vibe énergétique, avec la transmission de connaissances et amener des résultats aux personnes autour de moi, des résultats que j'aurais aimé qu'on m'amène. Donc aujourd'hui, moi, j'ai mis presque un an et demi à développer toutes ces connaissances et toutes ces techniques, à faire le tri de qu'est-ce qui était bon, qu'est-ce qui était pas bon, à vraiment à fédérer une équipe et à créer une vraie méthode. Et aujourd'hui, les résultats que j'ai obtenus et que mes équipes ont obtenus, on vous les propose en 2 mois et demi, en 10 semaines. Et ça, c'est, je suis vraiment fier de ça, de pouvoir vraiment aider n'importe quel homme dans sa sexualité et apprendre vraiment à maîtriser son éjaculation en 2 mois et demi. Et
Donc ouais, je suis très fier, pour répondre à ta question, je suis très fier d'avoir réussi à créer tout ça et d'avoir fédéré cette équipe et d'avoir créé cette méthode. C'est bien parce que dans ta réponse, on sent que le côté millionnaire, on s'en fout. Ce qui compte pour toi, c'est vraiment d'aider les gens et qu'ils aient les résultats. Donc ça, c'est tout à ton honneur. Ça va vraiment avec. Si les personnes ne sont pas satisfaites, s'il n'y a pas un vrai résultat derrière et un vrai suivi personnalisé, qu'il n'y a pas un vrai mindset, il n'y aura pas d'argent derrière en fait. Donc évidemment. Les résultats des membres seront significatifs du résultat financier. L'argent, c'est vraiment une énergie, et cette énergie, elle, en fait, c'est une énergie pour moi qu'on pourrait vraiment qualifier par un synonyme de récompense. Donc l'argent, c'est vraiment une récompense d'un travail que tu donnes que tu offres aux gens, et ces gens-là qui saisissent cette offre, après c'est normal que du coup ça fait partie du jeu, et c'est vraiment tout à ton honneur. Donc en parlant d'argent d'ailleurs, il y a une promotion spéciale au moment où vous regardez cette vidéo. Peut-être qu'elle sera terminée quand vous regardez cette vidéo ça fait partie du jeu. Hein. Les soldes, c'est une fois par an et quand c'est plus les soldes, vous ne pouvez pas en vouloir à la boutique. Enfin bref, voilà. Écoute, moi je suis content en tout cas d'avoir pu faire cette vidéo, d'avoir pu autant parler d'énergie sexuelle que du côté un peu mindset où tu vois, ça peut-être inspirer des gens qui ont une envie, un rêve, un projet, tout ça, qui n'osent pas trop se lancer. Souvent, justement, parce que je me souviens quand j'étais à Montpellier chez toi, souvent quand je t'encourageais un peu, je disais vas-y, fais un truc, lance-toi, il y a forcément un domaine que tu connais et que tu peux sur lequel tu peux parler, quoi, tu peux être légitime, tout ça. Et tu vois, c'était beaucoup de doutes, beaucoup de comment en fait, tu vois, des doutes du comment, du genre comment je vais faire un site, je sais pas écrire français, c'est ça, c'est je fais plein de fautes, comment je vais faire un autorépondeur, tout ça. C'est ça. Et en fait, le comment. Même si tu as eu beaucoup de doutes dans ton comment, ce qui est normal, en te voyant, je me suis revu à mes débuts, c'est pareil chez tout le monde. Ça prouve encore une fois que l'attitude éclate le comment. Ça le prouve à 200%. Voilà. Mais ça, à la limite, c'est tellement pour nous, c'est tellement logique, cette histoire d'attitude versus le comment, qu'on n'est même plus vraiment en train de parler, de s'étonner de l'attitude versus le comment. On sait que le comment, pour ceux qui ne savent pas, c'est les stratégies, les compétences, le savoir-faire. Lui, au niveau compétences, stratégie, savoir-faire, internet, zéro. Tu débutes quoi, tu connais rien. Par contre, l'attitude, c'est l'état d'esprit, la vibration, la fréquence, comment tu penses, tes pensées, tout ça. Ça éclate tout et tu en es la preuve, donc ça c'est cool. C'est clair. Et c'est pour ça que tu es sur cette chaîne. C'est une petite clé, c'est de ne pas écouter ses doutes, les comment, les choses comme ça, quand il s'agit de faire un choix. Regardez l'intention avec laquelle vous faites ce choix. Est-ce que l'intention vient de votre peur, vient du comment, ou vient vraiment de votre attitude interne, de qui vous êtes? C'est vraiment s'obliger à s'écouter soi et à être dans la bonne attitude, donc de lâcher le comment, et à se rendre compte qu'en fait que la vie aime les courageux, de se rendre compte qu'on se jette dans l'abîme, on se jette dans le vide, dans notre objectif, sans pont de retour, sans bateau retour, et on se rend compte qu'en fait c'est un lit de plume que la vie aime littéralement les courageux et qu'elle récompense les personnes qui pour moi se jettent en plongeon dans leur objectif. Exactement. En tout cas, pour finir sur ces belles paroles, je me fais penser à une situation que j'aimais bien quand je commençais un peu mon ascension de moi-même, j'ai envie de dire, à découvrir le démon personnel, la spiritualité, tout ça. Mais ça disait en fait, l'univers a toujours l'habitude de faire de la place à l'homme qui sait où il veut aller. Alors l'homme, c'est l'homme, la femme, tu vois, c'est l'homme avec le grand H, quoi. Mais à l'homme qui sait où il veut aller. Donc écoute, apparemment l'univers t'a fait de la place. L'univers, ah oui, il y a une mini anecdote qui est sympa aussi, qui prouve encore une fois l'attitude versus le comment. Raconte-nous rapidement, tu étais à Montpellier, moi j'étais au Mexique, ça commençait à cailler, tout ça, il a commencé à avoir même de la neige en Espagne, alors que c'était pareil depuis 50 ans, je crois, à Madrid là. Et raconte-nous comment tu m'as rejoint au Mexique, parce que là il y a quand même un truc de fou dans l'attitude et le comment. Juste pour terminer, tu te rappelles cette histoire de l'avion là? Alors je prends mon billet d'avion, le lendemain il y a la plus grosse tempête de neige depuis 70 ans en Espagne, je regarde des vidéos, les mecs sont en train de faire du ski à côté de l'aéroport, et l'aéroport est bloqué, catégoriquement fermé, aucun départ, aucun vol. Moi à ce moment-là, j'ai déjà fait des interviews du coach sexuel, je suis déjà bien rentré dans la formation et c'est catégorique, je pars au Mexique pour rejoindre David et continuer cette création. En plus, ça brûlait tous les bateaux derrière toi parce que t'as plus d'argent derrière, t'as plus d'économie, t'as plus d'appart, t'as plus rien. La voiture, tout. Il n'y a plus rien. C'est réussir ou mourir. C'était réussir ou mourir. Et donc, je vois ça et je regarde mes choix et je me dis non. Là, j'ai fait les choix que je devais faire. La vie m'a présenté plusieurs choix. J'ai créé ça. Non, je suis totalement aligné avec qui je suis. Donc, il faut que je parte.
faut que je parte à Madrid pour prendre mon vol. En plein Covid, machin, restrictions, on peut pas prendre l'avion, nous sommes en guerre, tout ça, faut aussi remettre le contexte. On peut même pas aller en Espagne à ce moment-là, au final. Des fois qu'il y a des gens qui regardent cette vidéo dans 15 ans, quand tout ça commencera à finir, bref. Donc bref, tous les commands me disent de pas prendre l'avion, me disent que le bus c'est pas possible, qu'en fait l'autoroute est bloquée parce qu'il y a des accidents, et tout se passe en fait miraculeusement bien. Donc je fais la route et à chaque fois en fait quand j'arrive à un point, au point B par exemple, ben, le point C se débloque et je peux arriver au point D. Et ça s'est passé comme ça sur tout le chemin. Je suis arrivé à l'aéroport était fermé. Une heure après, ils ont réouvert l'aéroport et le premier vol qui partait de Madrid, c'était mon vol à moi. Alors que ça faisait 3 jours que l'aéroport était fermé. Et je me souviens que tu me disais, là on parlait, je crois que c'était sur Insta ou je sais plus quoi, bref, tu me disais, ouais, j'ai plein de gens qui me disent que je suis un cinglé, que déjà avec le Covid, je peux même pas quitter la France, soi-disant, que machin, que en plus il y a la neige, que voilà. Et toi, t'es là, donc tu mettais tes stories et les gens réagissaient sur Insta en essayant un peu de les voleurs de rêve, tu vois, ils essayaient de te décourager. Inconsciemment, ils font pas ça consciemment. Non, quand je dis voleurs de rêve, c'est juste qu'ils ont un état d'esprit pourri et qu'ils comprennent pas l'attitude versus le comment, c'est comme ça. Et du coup, au final, bah, j'imagine la tête de ces gens qui ont dû se dire, mais putain, ils ont réouvert l'aéroport juste pour lui, son terminal et tout ça. Et ouais, en fait, c'est vraiment quand l'attitude est juste, les faits ne comptent pas et l'univers a l'habitude de faire de la place aux hommes et aux femmes qui savent où ils veulent aller. Voilà. Merci les amis pour votre attention, merci Gaspard pour ton temps. Merci à toi, merci à vous. On va sûrement vous préparer cette seconde vidéo, donc justement, pensez à vous abonner, à mettre un petit pouce, à poser vos questions dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à poser des questions qui pour une fois pourraient être adressées directement à Gaspard, mais dans ces cas-là, précisez-le dans les commentaires, parce qu'autrement c'est moi qui vais y répondre, mais si vous avez des questions pour Gaspard, bah, n'hésitez pas à dire question à l'attention de Gaspard et toi avec ton compte, tu pourras répondre, quoi, d'accord ? Parce que c'est vrai que ça peut être intéressant parce que dans le succès, il y a quand même quelque chose qui est très intéressant et qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont l'air non plus de percuter. C'est que, on va aller par là, là. C'est qu'en fait, le qu'est-ce que tu écoutes, c'est vraiment la base, c'est toujours la base de tout. Mais souvent, on écoute des gens qui ne sont pas du tout passés par là où nous, on a été. C'est-à-dire, si ton but, c'est de faire beaucoup, beaucoup d'argent et que tu écoutes Donald Trump, qui lui est né milliardaire, ouais. Il ne sait pas ce que c'est que d'être comme nous, de galérer, d'être pauvre, d'avoir peut-être grandi en plus comme nous dans un peu la délinquance, les conneries. Des parents qui sont pas crésus, tout ça, bon. Et l'idée, en fait, bah, c'est ce qui est intéressant, c'est de pouvoir écouter des gens qui sont pas, qui ont ce qu'on veut et qui sont, sinon on les écouterait pas en fait, mais qui sont passés par là où on a été. Et bah toi, dans le qu'est-ce que t'écoutes, ça peut être intéressant pour des gens de t'écouter toi, parce que moi j'ai déjà une certaine expérience des business internet, du business tout court, de l'entrepreneuriat. J'ai 29 ans, j'ai commencé ma première boîte, j'avais 18 ans. Donc pour moi, c'est l'effet un peu de nouveauté, de surprise, de doutes que tu as pu partager, tu sais, le truc où putain, t'as beau être sûr de toi, t'as beau être dans l'attitude, t'as toujours ce 1% de comment qui remonte, qui te fait douter, c'est normal, c'est partie du jeu, surtout au début. Et tu peux l'avoir même quand tu sors ton 10e ou ton 15e produit, mais bien sûr, ça descend à chaque fois. Mais voilà, et ça peut être intéressant du coup pour les gens de poser des questions à toi directement parce que tu es passé par là où je pense beaucoup de gens sont actuellement ou ont été et tu as manifesté quelque chose, comme je disais au début de la vidéo, que moi, dans ma connaissance, très peu de gens sont capables de faire. Encore une fois, j'ai entendu franchement des centaines de personnes que je connais, que ce soit des personnes proches ou éloignées, dire « je vais faire ça, faire ça, faire ça, faire ça ». Et en fait, les gens, tu les vois 6 mois plus tard, ils sont toujours en train de bosser pour les rêves d'un autre, pour un patron. Ils vont au boulot à reculons, tout ça. Et toi, tu viens de te créer ton premier revenu passif, totalement automatisé, tout ça. Même si évidemment, il y aura du boulot derrière parce que tu vas délivrer un à côté de la formation ultra qualitative, je le sais. Mais voilà, tu as réalisé quelque chose que finalement, personne pratiquement n'a les couilles d'aller… voilà. Et ce n'est pas dénigrant quand je dis « n'a les couilles », c'est que c'est pas évident, tu vois. Je veux dire, aller sauter en parachute entre y penser et le faire, tu vois. J'ai fait mon premier saut récemment, c'est pas pareil, tu vois. Une fois que tu es en haut, tu es dans l'avion et que tu t'apprêtes à sauter, tu réalises que putain, ouais, tu comprends pourquoi il y a très, très peu de gens qui sautent en parachute. Ben, moi, je comprends pourquoi tu fais partie, bienvenue dans la famille, dans la cour des grands, j'ai envie de dire. Des 1% de ceux qui ont les couilles un jour de se mettre derrière une caméra, parce que rien que ça, ça demande surtout de l'audace. Dans cette thématique. Hein. Et dans cette, ouais, dans une thématique qui, bon, pour nous, ça paraît normal. Mais pour beaucoup de gens, c'est tabou. Regarde sur YouTube, tu vas voir par exemple une coach sexuelle que j'aime beaucoup, moi. Elle a 400 000 abonnés. Sur des vidéos à 1 million de vues, elle a 20 commentaires. Et moi, j'ai je peux pas dire le nombre, mais on va dire que il y a moins de 10 000 abonnés pour être très très large. Et il y a 30 commentaires, 40 commentaires, ça veut dire, tu vois, que j'ai plus de commentaires. Enfin, alors que la chaîne, elle est toute neuve, elle est toute petite. Donc, c'est une thématique où les gens, ils ont un peu honte, ils sont un peu gênés, ils ont un peu peur. Et ça fait partie du problème, justement. Ouais, ça fait partie du problème. Et ça, vous allez voir que c'est un gros conditionnement
qu'on vous aidera à dépasser dans la formation et que c'est un truc très français. Mais pas que, c'est un truc très judéo-chrétien, mais le judéo-christianisme qui veut que la sexualité c'est sale, que c'est pas bien, que machin, est très répandu en France. Voilà les amis, on vous dit à bientôt, pensez à vous abonner, posez vos questions. Vous avez tous les liens dans la description, le club privé, etc. Et on vous embrasse. Ciao, ciao. Thank you.